Bonsoir à tous. Donc voilà, je fais ma vidéo soin du soir. Je vous avais promis de la faire et du coup j'ai mis un peu de temps. Sur ce, j'ai acheté, oui, et je vais recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits de Nocibé, de Sephora, je sais plus où, de partout, de partout, de partout. Donc du coup, il va falloir que je swatch ces produits. Mais je ne peux pas tout swatcher en une vidéo, c'est pas possible. Parce que vraiment, il y en a beaucoup depuis 2 mois là. Voilà, je craque trop. Il y en a certains là que je vais swatcher ce soir, que je vais tester avec vous. On verra bien. Donc, je commence. Donc, j'enlève mes lunettes. Déjà, c'est mieux, hein? Et je vais commencer. Alors, moi, je me démaquille avec une petite lingette. Enfin, on va pas appeler ça une petite lingette. Les lingettes microfibre, comme ça. Moi, je trouve que c'est très écologique et en plus, au niveau de la peau, ça fait pas de mal. On peut les réutiliser, on les lave. Bon, bah, des fois, bien sûr, les taches, elles restent. Mais bon, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, quand elles sont lavées, elles sont lavées. Donc, il faut les plonger dans l'eau si vous ne connaissez pas le procédé. Les plonger dans l'eau tiède parce que froid, c'est. Voilà, et chaud, moi j'aime pas. Donc voilà, et en fait, ça démaquille vraiment vite fait. C'est un truc de fou. J'ai halluciné quand j'ai acheté ma première lingette. Maintenant, j'en ai plusieurs. Parce que, bien sûr, il faut renouveler la gamme. Parce que ça se salit. Je veux dire, moi, avec cette lingette-là. Je fais 3 démaquillages, on va dire. Ça dépend le maquillage que j'ai sur moi. Parce que des fois, je suis un peu plus maquillée que d'autres. Là, ce matin, c'était la course. Parce que du coup, j'ai eu un souci avec un de mes ongles. Ça s'est caillé, donc du coup j'ai été obligée d'aller voir au salon des ongles pour qu'il me refasse mon ongle, enfin bon, bref. Et du coup donc je me suis levée tôt puisque je n'ai pas mon fils, il est chez son papa, donc des fois j'en profite pour faire la crasse matinée, vous voyez, parce que ça fait du bien. Donc comme vous voyez, regardez-moi ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas. Et puis en plus, je frotte pas comme une malade, quoi. C'est. Là, les sourcils, vous voyez bien, parce que j'ai des problèmes avec les sourcils. En fait, j'ai fait une erreur monumentale sur Wish. J'ai acheté en fait un rasoir, un petit rasoir et un petit ciseau, en fait. Un ciseau peigne pour couper les sourcils, en fait, qui dépassent. Et du coup, je me suis retrouvée avec des trous. Donc là, on les voit un peu moins. Mais voilà, j'ai des trous. Donc je suis obligée de combler avec tout un tas de produits. Donc du coup, je me retrouve avec plein, 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 plein de produits pour les sourcils noirs, bruns. Parce que avec ma couleur de cheveux, donc du coup, moi perso, je considère que je suis brune, il n'y a que les racines, mais après je suis blonde blanc en fait en décoloration, donc c'est pas facile de trouver une couleur au niveau des sourcils. Voilà, j'ai terminé de me démaquiller. Il y a toujours des résidus, hein. C'est comme quand on se démaquille avec un démaquillant, il y a toujours des résidus. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Comme je vais tester ce que j'ai acheté ce matin, donc
C'est chez Nocibé, en fait. C'est naturel, c'est extrait de rose, c'est une poudre exfoliante, tout type de peau. Donc en fait, il faut mettre un peu de poudre, un peu d'eau dans la main, au creux de la main, un peu de poudre c'est un peeling quoi en fait. Donc voilà. Et donc je vais essayer ça et donc je ne vais pas mettre par-dessus ce que je voulais mettre, la lotion Neutrogena. Voilà, d'habitude je mets ça. Mais là, comme j'utilise ça, alors on va faire comme ils disent. Moi, je ne connais pas. Voilà. Et après, je mets un petit peu de poudre. Ils disent vraiment pas beaucoup, enfin, même la vendeuse, elle m'a dit pas beaucoup. Donc voilà, je mélange. Ah ouais, d'accord. Ça fait comme des grains. Ben, comme un peeling, quoi, en fait. Un exfoliant. Je sais pas comment vous appelez ça, vous dites-moi. Les peelings, exfoliants, j'ai vu les peelings aux fruits rouges, là, qui sont tout rouges, couleur sang. Et en fait, c'est ça que je voulais parce que je sais pas, ça m'intriguait. Et elle m'a dit, la vendeuse, que vu l'état, enfin, au niveau de ma peau, ça allait m'arracher la peau. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Vu l'état, enfin, vu votre peau, ça va vous arracher ces coriaces. Bon. Donc, je vais rincer ça. Et voilà. Et je vais prendre ma serviette pour le visage et je vais tapoter pour enlever tout ça. Voilà. Ça fait du bien d'empêcher. Alors, après, qu'est-ce que je vais faire? Alors ça, donc je l'ai swatché avec vous parce que c'est nouveau. Je l'ai acheté ce matin. 12,95 euros, un truc comme ça. À Nocibé. C'est naturel, hein, c'est ce que je vous disais. Donc c'est pas un produit chimique. Donc après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'étapes. Donc. On va faire les yeux, je crois, parce que en fait, la vendeuse de chez Kiko, parce que j'étais ce matin, j'étais chez Kiko, j'étais chez Sephora, j'étais chez Nocibé, et la vendeuse de chez Kiko m'a dit, il faut d'abord faire les yeux au début et pas à la fin. Et je savais pas, je croyais qu'il fallait les faire à la fin. Donc, ben ouais. Ouais. Donc, au niveau de mes yeux, j'utilise toujours le Isdin. Hop. Le Isdin KOX Eyes pour les cernes, les poches, pour décongestionner. Décongestionner les cernes. Et franchement, ça fait du bien. Hop. Donc, toujours avec l'annulaire, car c'est un doigt qu'on se serre pas beaucoup et qui n'a pas trop de force parce qu'on a peu de peau. Oh là, voilà. Peu de peau sous les yeux, vous le savez. Là, j'en ai mis un peu trop. J'ai l'impression que de l'autre côté, j'en ai mis moins. C'est pas grave. Et petit conseil aussi, si vous faites les contours des yeux, faites le contour des lèvres avec
Même si c'est pour les yeux, il y en a qui font contour des yeux et des lèvres en fait des produits. C'est pour éviter les ridules pour plus tard, c'est-à-dire quand voilà, on approche de la quarantaine. Bon, là je le fais parce que j'y pense, mais d'habitude j'y pense pas. Voilà, donc j'ai fait mes yeux. J'ai la peau très douce, hein. Par contre, pour le peeling Nocibé là, waouh, truc de fou. Alors, là je fais à la One Again parce que du coup, comme j'ai beaucoup de produits, j'ai reçu beaucoup de produits et j'ai acheté beaucoup de produits. Je sais plus où j'en suis. Parce que je vais vous présenter quand même les produits. Alors, je mets sur ma peau SVR l'ampoule B3, ampoule Hydra, concentré réparateur, repulpant, anti-rides. Donc voilà, c'est à l'acide hyaluronique. C'est de la marque, oui, SVR. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et donc moi je l'ai acheté chez Marionneau. Je ne sais pas si dans d'autres magasins il y a. Parce qu'il y a trois pipettes en fait. Donc voilà, il faut en mettre. Enfin moi j'en mets comme si je mettais ma crème de. Là ça doit faire au moins 5-6 mois que je l'ai et il est ici quoi. Et j'en ai un autre qui m'attend. Voilà, et donc je malaxe. Oh, mais le peeling, ça m'a. Oh ben, ma peau, elle est douce. Voilà, je masse. C'est bien le cou, très important, le cou. Vous verrez quand vous serez vieille. Voilà. Donc quand je vois que ça commence à coller un petit peu, j'arrête le massage. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser. Je sais que je suis longue à choisir mes produits, mais le problème, c'est que je ne sais pas. Voilà ce que. Parce que d'habitude, j'ai ma petite routine et là, elle est un peu. Parce que, en fait, je vous explique. Ce matin, c'est pareil. Voilà, je vais sortir avec vous. Ce matin, j'ai acheté ça Nocibé. C'est Bioderme Aqua Pure, super concentré. Life Plankton Water plus glycérine plus salicylique acide, acide salicylique. Donc ils disent de l'appliquer sur le visage matin et soir. Mais moi j'ai l'habitude d'utiliser le sérum apaisant anti-rougeur de Darphin et il est génial. Franchement, c'est comme de l'eau, c'est très liquide. Mais l'odeur, quand on le met sur la peau, c'est franchement, c'est trop, 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 trop bien. Bon, il est un peu cher, il est à 60 euros. Je l'ai acheté à Marionneau, je ne sais pas si dans d'autres magasins, il y a. Donc, je vais utiliser donc le Darphin. Hein, c'est pas grave, voilà. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup. Je crois que j'ai la dans bah non dans ma vidéo du matin je vous l'avais pas fait voir puisque je n'utilisais la farine que le soir. Il faut pas en mettre beaucoup, je sais pas. J'aimerais bien que vous voyez en fait. J'ai pas envie de le renverser. Excusez-moi de gigogner le. Mais je suis bête. Non, je suis pas bête. Là, je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Je sais pas. Enfin, bref.
On va dire que il faut une à deux pompes. Donc c'est liquide, il faut, voilà, tapoter. J'ai l'impression que le liquide est tombé. Voilà, ça se tapote. Hop là, voilà. Et donc, je vais swatcher avec vous l'aqua pure biotherme. Pas bioderme, biotherme. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Vraiment, c'est une grande histoire. Je ne sais même pas. On va attendre. Hop, c'est sorti un petit peu. On va en mettre un tout petit peu. Comme ceci. Là, je peux vous montrer. Ça sent bon. Hop. Je vais faire comme si j'utilisais ma crème hydratante. Hop là. J'ai oublié quelque chose au niveau des essieux. Il faudra que je revienne tout à l'heure en niveau des essieux. Donc voilà, ça hydrate. Et en fait, je vous ai dit hein, ce que ça faisait. Ben non, je ne vous ai pas dit. Et du coup, comme j'ai sorti tous mes cartons, super concentré. Votre vie intense affecte votre peau, excès de sébum, pores dilatés et irrégularité de la peau. Infusez de l'ingrédient exclusif de Biotherme, l'eau de Life Plankton et d'acide salicylique aqua pure est conçue pour affiner le grain de votre peau. Après seulement 7 jours, l'apparence des pores est minimisée. Voilà. Donc ça matifie et tout ça parce que moi en fait j'ai des soucis de peau en ce moment, c'est incroyable. J'ai des boutons, j'ai enfin bon, l'autre fois je me suis retrouvée avec la peau grasse, mais grasse de chez grasse quoi. Donc ça c'est bon, ça on a fait, le Darphin aussi. Hop, ça y est, je fais mon petit ménage. Hein. Donc voilà, ensuite. Écoutez, ce matin, c'est pareil, j'ai le sorti avec vous ça. Ce matin, j'ai acheté la brume sorbet énergisante hydratation active de chez Dior, qui coûte à peu près 35 euros. Alors, c'est une brume, en fait, qui peut, vous pouvez la mettre dans votre sac pour rafraîchir à tout moment de la journée. Et en fait, ultra hydratante, libère en une pression toute la fraîcheur d'un bouquet de mauve et d'aberléa. Son voile fin délivre à la peau des agents hydratants, l'énergise et la rafraîchit à tout moment de la journée. Utilisée sous ou sur le maquillage, elle favorise sa bonne tenue et ravive l'éclat du teint tout en transparence. Résultat prouvé, en une application, la peau est gorgée d'eau, clarifiée et vivifiée. Alors, cette brume, soit vous l'utilisez comme une brume, c'est-à-dire vous la poussiez comme ça, soit vous en mettez comme le sérum Darphin là, dans votre main. Voilà, dans votre main. Et vous la mettez sur la peau pour réhydrater votre peau. Elle sent très très bon. C'est un bonheur. Franchement, c'est j'adore. J'adore de Dior. D'ailleurs, j'aimerais bien que mon chéri m'offre le parfum de Dior. J'adore. Et de Jimmy Choo. Vous avez déjà, vous connaissez le parfum de Jimmy Choo? De Jimmy Choo Fever, le nouveau, le Fever. Il est. Oh, mais comme ils sont trop bons, franchement. Moi, l'autre fois, tellement ils sentaient bon, je me suis.
Je me suis parfumée la nuit. Donc du coup, j'ai demandé des échantillons là à Sephora et tout. Donc voilà. J'aimerais qu'ils me l'achètent. Ce serait bien. Le J'adore de Dior en roll-on et voilà, le Jimmy Choo. Alors, j'ai dans mes achats, en fait, j'ai eu des échantillons de Dior aussi. C'est Capture Total Dream Skin, soin anti-âge global, créateur de peau parfaite. Donc, en fait, alors, une peau de rêve, naturelle, parfaite. Infiniment radieuse, nouveau, le premier soin de Dior capable de recréer instantanément une très belle peau sublime et radieuse au naturel, tout en luttant durablement contre les signes visibles du temps, rides, perte de fermeté et d'éclat, taches et rougeurs. Efficace à tout âge. Donc voilà, c'est pas pour les personnes qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, 60. C'est efficace à tout âge, sur tout type de peau et toutes les couleurs de peau. Alors, il faut appliquer chaque jour seul ou après le soin habituel. Alors, quand ils disent seul, moi je me dis soit on l'utilise sans crème hydratante ou après le soin habituel, parce que le soin, moi j'ai plusieurs soins du coup. Et après le soin habituel, moi je pense après la crème hydratante. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc du coup, j'en ai deux comme ça et j'ai demandé des échantillons parce que j'adore ce produit-là. Je l'ai testé et franchement, il est sympa. Mais le prix est sympa aussi. C'est-à-dire, c'est au moins, je crois que c'est 102 euros la fiole de 30 millilitres. Un truc dans le genre, je sais plus. Et donc, dernière étape, je mets ma crème hydratante et donc matifiante puisque j'ai la peau grasse au Thermal Avène. Voilà. Clénance mat, émulsion matifiante. Donc, elle est riche en eau thermale d'Avène comme hypoallergénique. Appliquer matin et soir sur le visage. Et voilà. Donc, on va appliquer ça. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà ce que je mets. Et en plus de ça, j'ai trouvé ça en grande surface. Diadermine Lift Plus. Parce qu'avant, je prenais les capsules dorées, en fait. Et booster anti-rides acide hyaluronique. Je prenais les petites capsules, je ne sais pas si vous voyez ce que je vous en avais parlé. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais en fait, ça aussi, c'est nouveau. Donc c'est nouveau. Ça lift aussi comme les petites capsules. Et franchement, voilà quoi. Avec un rythme de vie effréné, votre peau peut perdre en hydratation et devenir plus fragile. Action anti-rides. La formule enrichie en acide hyaluronique booste les effets de votre crème habituelle pour repulper et hydrater votre peau. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que, en fait, vous avez donc au creux de la main votre petite crème hydratante. Et là, en fait, il y a comme une espèce de pompe, comme les sérums, vous savez. Et en fait, il faut juste mettre une goutte. Enfin, ils disent une à deux. Moi, j'en mets qu'une parce que, voilà, il faut mettre une goutte. Mélanger tout ça. Voilà, comme ça, et mettre la crème hydratante. Franchement, le peeling, ça a fait du bien à ma peau là. Donc, je sais qu'il ne faut pas en abuser. J'ai pas regardé le carton, ce qu'ils disent. Je crois que c'est une à deux fois par semaine, je suis pas sûre. Ah, bien au niveau du cou.
Et comme je vous disais, au niveau de mes yeux, j'ai oublié de mettre. Donc je mets, vous savez, la crème Isdin là que je vous disais. Et après, je mets cette petite pipette, pipette seringue en fait. Ça s'appelle Visual Source Ice Cream. Ça s'achète à AliExpress ou Wish. Et perso, moi j'ai halluciné. Donc on enlève le petit capuchon d'abord. On enlève après le... Voilà, et ça se retrouve en seringue. Et moi franchement... En fait, j'en mets une goutte. Attendez, je vais vous faire voir. Voilà, j'en mets une goutte comme ça, ici, sur un œil. Et j'ai l'impression que là, en fait, mes cernes disparaissent. Enfin, c'est... Moi, je me trouve cernée, et là, je trouve que mes cernes, elles disparaissent... Voilà. Que j'en ai vraiment plus ou presque plus, parce que au niveau d'ici du creux là, j'ai l'impression d'avoir des cernes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc j'avais oublié de mettre ça. Écoutez, je crois que c'est tout que je vous ai montré. Comment je procède au niveau de mes soins du soir. Et je ferai bien sûr une vidéo où je dois me maquiller en live. Je ferai une vidéo de tous les produits que j'ai achetés. Il y en a qui sont swatchés et d'autres pas swatchés. Donc je ferai ça vite, vite, vite. Donc je vous fais un bisou à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.